club des mécènes, moi je le note aussi que c'est aussi un club d'amis de cette école auquel tout le monde est attaché. Cette bourse Why Not, ça a été un moment supplémentaire en fait qui est assez formidable, qui est finalement, c'est au-delà de l'école qu'on aime, c'est de se dire c'est cette école, tout le rôle qu'elle a dans son territoire, cette conviction qu'on a profondément et qui a été l'objet de la construction de cette école pendant toutes ces années, cher Francis, avec tous les partenaires de l'école. C'était aussi de dire, si on a une belle école, qui est devenue d'ailleurs un bon groupe d'éducation diversifié pour pouvoir couvrir différents domaines, il faut qu'ils soient ouverts à tous. Permettre à des jeunes qui n'ont pas obligatoirement les moyens financiers de payer des droits d'entrée d'une école de commerce, ça permet d'avoir un plus grand vivier de candidatures. Et je voulais aussi attirer l'attention sur mes camarades alumni. Un dernier message, mes camarades alumni qui sont, que je souhaiterais qu'ils nous rejoignent, très nombreux, pour qu'ils puissent diffuser la formation, qu'ils puissent diffuser les messages, qu'ils nous aident dans cette structuration, dans cette organisation de Why School. Sans la bourse, j'aurais pas pu intégrer cette école parce qu'elle n'est pas dans mes moyens du tout. Et du coup, elle m'a vraiment permis de venir ici. Et je regardais cette école depuis plus d'un an et demi. Donc vraiment, j'étais très contente quand je l'ai eue.